Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous souhaite la bienvenue pour la première conférence dans cette salle de la nouvelle édition « Des idées mènent le monde » de 2018, qui, comme les 5 années auparavant, se fait avec et en collaboration avec l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et c'est mon collègue de l'université, Jacques Lecacheux, à qui je donne la parole parce que c'est pour l'écouter lui et pas moi que vous êtes venu et je vous souhaite une excellente conférence. Merci, merci beaucoup pour cette introduction, Caroline. Merci d'être venu si nombreux. Je suis Jacques Lecacheux, je suis professeur d'économie à l'Université de Pau depuis une vingtaine d'années maintenant, et je travaille sur les questions de transition écologique, et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui, mais d'un point de vue d'économiste. J'ai intitulé cette conférence « Demain, une économie décarbonée et sobre ». J'ai mis un point d'interrogation parce que, évidemment, on n'est pas sûr d'y arriver, et puis aussi parce qu'on ne sait pas toujours comment faire pour y arriver, mais ce que je vais essayer de faire avec vous aujourd'hui, c'est d'exposer un peu la manière dont la science économique, l'analyse économique nous permet voir quels pourraient être les mécanismes qu'on peut mobiliser pour justement aller dans cette direction, et puis surtout y aller suffisamment vite, puisque vous savez que il y a quand même une certaine urgence à tout ça. Les rapports qui ont été publiés par les différents scientifiques ces dernières semaines, ces derniers mois, et puis même les événements que nous avons vécus et que nous vivons, pas seulement en France, évidemment. Vous avez vu en France un été et un automne particulièrement chauds, des inondations de plus en plus fréquentes et de plus en plus meurtrières dans différentes régions. Aux États-Unis, en ce moment, la Californie brûle, alors qu'on est déjà à la mi-novembre. Les forêts californiennes sont tellement sèches qu'elles s'enflamment avec des étincelles et que ça fait des dizaines de morts déjà, etc. etc. Donc, on pourrait multiplier les exemples qui montrent que, très clairement, ça n'est pas seulement une éventualité pour un avenir plus ou moins lointain, mais que déjà, on commence à sentir les premiers signes de ce qu'on appelle parfois le dérèglement climatique ou le changement climatique. Et puis, évidemment, le climat n'est pas le seul domaine dans lequel les problèmes de dérèglement environnementaux se font sentir. Donc, je ne suis pas, évidemment, ni un climatologue, ni un géologue, ni un biologiste, etc. Donc, je ne vais pas m'apesantir sur les mécanismes par lesquels tous ces phénomènes se produisent, mais je vais essayer quand même de vous montrer. D'abord, la première chose que je voulais dire, c'est que très souvent, on oppose économie et écologie. Dans les débats publics, on a tendance à dire on ne peut pas se permettre de préserver l'environnement, etc., parce que l'impératif économique, finalement, nous commande et nous oblige, ce serait trop coûteux, etc. Et de ce point de vue-là, il me semblait utile de commencer par rappeler quand même que ces deux termes, comme ça se voit d'ailleurs, ont la même étymologie. Hein. Tous les deux viennent du même mot grec qui est oikos, hein, en grec ancien. Et oikos, ça veut dire l'habitat, le foyer, la maison. L'économie, depuis Aristote au moins, c'est la science de la bonne gestion de l'habitat, du foyer, de la propriété, etc. Et l'écologie, ben, c'est aussi la science de l'habitat, mais au sens de l'environnement. Et donc, ces deux disciplines qu'on oppose parfois ne devraient pas, en fait, être opposées. Et on doit pouvoir élaborer ce qu'on peut appeler une économie écologique, c'est-à-dire quelque chose qui concilie finalement la recherche qui est au cœur de l'économie, qui est finalement la recherche du bien-être pour les humains sur cette terre,
avec la recherche qui est au cœur de l'écologie, c'est-à-dire la préservation de l'environnement et de l'habitat de l'humanité sur cette Terre. Hein. Donc, c'est pour ça que j'avais ensuite formulé cette question qui vient après, qui est sommes-nous condamnés à tout détruire pour prospérer ? Parce que c'est finalement un peu dans ces termes-là qu'on a l'impression que cette question s'est posée ces dernières années, etc. Cette espèce de choix binaire qu'on nous propose entre voilà, est-ce qu'on peut continuer à croître, à prospérer, etc., au prix d'une dégradation de plus en plus grave de notre environnement, ou bien est-ce que au contraire on doit choisir finalement de sacrifier notre bien-être, etc., pour préserver l'environnement. Et il me semble que je vais essayer de vous le montrer, qu'il y a sans doute des manières d'essayer de rendre les deux un peu plus conciliables, même si, en même temps, on ne pourra jamais, évidemment, faire en sorte que les hommes n'aient aucun impact sur leur environnement, hein, mais simplement qu'on arrive à limiter autant que faire se peut les impacts négatifs qu'on a sur notre environnement. Alors, je voulais aussi rappeler en introduction que ça peut paraître évidemment une question un peu nouvelle, et en même temps, c'est une très vieille question pour les économistes, parce que certains d'entre vous connaissent sûrement ce nom qui est assez familier. Malthus, il y a un peu plus de deux siècles, hein, en fait, 1798 précisément, Malthus a publié un essai très très influent à l'époque et qui a eu un grand retentissement dans les années qui ont suivi sa publication. Tellement d'influence d'ailleurs que le mot malthusien est passé dans le langage courant dans presque toutes les langues du monde. Hein. Et que disait Malthus dans cet essai publié en 1798 ? Malthus disait quelque chose d'assez effrayant. Hein. Il nous disait, voilà, le développement économique qui commence avec la révolution industrielle, c'était le début de la révolution industrielle anglaise, va produire en fait un enrichissement de la population. Mais cet enrichissement ne va être que transitoire parce que la population va croître et elle va croître en fait plus vite que ce que permettent les ressources naturelles de la planète, de sorte qu'on va buter sur la finitude des ressources de la planète. Et ça, c'est vraiment une prophétie évidemment extrêmement inquiétante. Malthus avait cette phrase tout à fait frappante. Il écrivait... il n'y aura pas de place pour tout le monde au grand banquet de la nature. Et donc, l'idée, c'était, voilà, nous sommes face à une planète dont les ressources sont finies. La population va augmenter tellement vite qu'on va buter sur cette contrainte des ressources finies. Et cette prophétie, évidemment, elle a été par la suite complètement oubliée, surtout au XXe siècle, où on a fini par penser finalement qu'on n'avait pas de, qu'il n'y avait pas de limite, que l'enrichissement, la croissance aussi de la population, pouvait se faire sans limite. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes 7,6 milliards d'individus sur Terre. Au moment où, presque, hein, pas tout à fait, mais 5 et quelque chose, hein, enfin presque 6. Au moment où Malthus... écrivait son livre, il ne le savait pas bien sûr, parce qu'il n'y avait pas de données démographiques à l'époque, mais il y avait à peu près un peu moins d'un milliard d'habitants sur Terre. Autrement dit, depuis deux siècles, la population mondiale a été multipliée par presque 8. Et pour vous donner juste une petite idée là-dessus, entre 1960 et nos jours, la population mondiale est passée de 3 milliards à 7,5 milliards. Elle a plus que doublé. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité, en tout cas pas depuis Adam et Ève. C'est beaucoup, évidemment. Et c'est une des raisons, en tout cas, pour lesquelles on commence à se reposer des questions qui sont semblables à celles que Malthus avait soulevées il y a deux siècles. Alors, je ne vais pas rentrer dans des considérations sur la population, la démographie, etc., parce que ce n'est pas vraiment mon domaine. Mais on voit bien que c'est une des raisons, évidemment, qui nous font prendre conscience de manière plus aiguë que par le passé de la finitude de notre planète. Nous sommes très nombreux là-dessus. Et si on en croit les projections démographiques
faites par différentes institutions. Par exemple, l'ONU fait régulièrement des projections démographiques. On s'attend à ce que la population mondiale continue à croître, même si elle ralentit. Hein. La bonne nouvelle, c'est que ça ralentit. Hein. Mais enfin, la population mondiale actuellement augmente quand même d'à peu près 80 millions par an, en net. Hein. 80 millions, c'est la population de l'Allemagne. Hein. Donc en gros, c'est à peu près comme si on ajoutait une Allemagne au monde chaque année. Hein. Ce qui est quand même encore un bon rythme, quoi. Et donc, on s'attend à ce qu'il y ait à peu près 9 milliards d'individus sur Terre au milieu du siècle, un peu plus de 9 milliards, et à peu près 11, sans doute, à la fin du siècle. Alors, une question intéressante pour les économistes, c'est au fond, pourquoi cette espèce de prophétie lugubre de Malthus ne s'est pas jusqu'à présent manifestée? Et là, on se dit, il y a en fait deux grandes raisons qui ont fait qu'on a échappé à cette malédiction. La première, c'est le commerce international. Grâce au commerce international, on a pu finalement repousser les limites de la finitude à l'échelle d'un pays pour exploiter plus largement les ressources du monde. Hein, au fond, on a développé la mise en exploitation du monde entier et les échanges ont permis d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, le commerce international couvre le monde entier, donc voilà, c'est fini, on ne peut pas aller au-delà. Certains nous disent on va bientôt commercer avec Mars, etc. OK, mais pour l'instant, non. Et sans doute, on peut penser qu'en tout cas, pendant longtemps, ce sera encore très coûteux. On n'en sait rien, à vrai dire. On n'en sait rien. Vous savez, si on avait dit à quelqu'un en 1450 que bientôt, on commercerait avec le Nouveau Monde, ça aurait fait rire beaucoup de gens. Et en même temps, Christophe Colomb, en 1492... a découvert le Nouveau Monde. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes, et ça, c'est une des choses sur lesquelles je vais insister. Mais en tout cas, jusqu'à présent, cette façon de surmonter les contraintes par le commerce, on peut dire qu'on a un peu épuisé tout ça, toute la planète est dedans. La deuxième source qui nous a permis de repousser les contraintes, c'est ce qu'on appelle le progrès technique. Et le progrès technique nous a permis effectivement de mieux utiliser les ressources dont nous disposons, d'utiliser des ressources que l'on ne savait pas utiliser avant. Je ne vais pas rentrer dans la longue litanie de toutes les choses qu'on a su mettre en valeur depuis deux siècles, depuis Malthus. Mais pensez simplement au pétrole, justement, puisqu'on va en reparler. C'est quand même assez intéressant le cas du pétrole, parce que le pétrole, finalement, c'est quelque chose dont on connaît l'existence depuis des millénaires. Si vous les lisez les anciens papyrus des anciens Égyptiens d'il y a 3000 ans, ils savaient qu'il y avait du pétrole en Arabie, et pourtant ils n'utilisaient pas le pétrole. Si vous lisez le récit de Marco Polo, son récit de voyage quand il revient de Chine au XIIIe siècle, à un moment dans son récit, il explique qu'il a traversé le royaume de Mossoul et qu'il a vu dans la ville de Mossoul une fontaine d'où jaillissait une huile noire et visqueuse que les habitants brûlent. Qu'est-ce que c'est? Du pétrole, évidemment. Et pourtant, il a fallu attendre la fin du 19e siècle pour qu'on commence à savoir utiliser le pétrole. Et ça, je vais revenir là-dessus, mais ça veut dire qu'il y a des choses qu'on sait, mais qu'on ne sait pas exploiter parce qu'on n'a pas les technologies pour les exploiter ou qu'on n'a pas les technologies suffisamment rentables pour les exploiter. Donc, si on regarde ces deux grandes sources qui nous ont permis de repousser le progrès technique, la deuxième, on peut se dire, est-ce que ça va continuer? Et une des grandes questions que se posent les économistes aujourd'hui, peut-être en avez-vous déjà entendu parler, c'est cette fameuse hypothèse qu'on appelle la stagnation séculaire. C'est-à-dire, on se demande si le progrès technique qu'on a connu depuis la révolution industrielle va se poursuivre. Et au même rythme. Si on regarde les années récentes, on s'aperçoit qu'en fait, la manière dont on mesure le progrès technique, c'est-à-dire la productivité, a énormément ralenti. Énormément. Partout dans les pays développés, y compris aux États-Unis. Et donc, on peut craindre, finalement, et certains le disent, qu'on ait épuisé aussi cette source-là et que le progrès technique s'assèche et se ralentisse suffisamment pour qu'on ne puisse plus espérer cet échappatoire non plus. Est-ce que c'est vrai? Là aussi, je vais vous dire, je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce qu'on ne peut le savoir qu'après. Hein. Je vais là aussi faire une petite remarque, une petite référence historique. Dans les années 1870-80,
Il y a eu aussi une période de stagnation économique assez longue, qu'on a appelée la longue stagnation, ou encore la longue dépression parfois. Et beaucoup d'économistes français à l'époque, et en Grande-Bretagne aussi, ont dit ça. Ils ont dit, voilà, il y a eu la révolution industrielle il y a un siècle, mais le progrès technique est épuisé, maintenant c'est fini, il n'y a plus de progrès technique, il n'y aura plus de croissance, etc. Après coup, évidemment, on sait qu'ils se sont complètement trompés. Pourquoi ils se sont trompés? Parce qu'il y avait un certain nombre de technologies qui étaient à l'époque émergentes, des innovations absolument essentielles, la chimie qui commençait à exister, l'électricité qui apparaissait, mais dont on ne savait pas encore comment s'en servir. Vous savez qu'au début, l'électricité, on s'en servait pour faire de l'électrolyse d'aluminium, et c'est tout. On n'avait pas encore inventé, par exemple, ni le moteur électrique, ni la lampe à incandescence. Quoi faire de l'électricité quand on ne sait pas faire ça? Rien, pas grand-chose. Bon. Et puis un tas d'autres choses, l'aluminium, le moteur à explosion, etc. Donc je pourrais, la longue liste des innovations qui ont eu lieu à la fin du 19e et qui ont nourri la croissance économique du 20e, elle n'était pas visible à cette époque-là. Et donc de la même façon, aujourd'hui, on ne voit pas forcément très clairement ce que seront les technologies importantes de demain. Peut-être existent-elles déjà. Mais bon. Donc là, c'est au fond ces interrogations-là que je voudrais essayer d'explorer un peu, mais avant ça, je vais juste vous montrer rapidement, deux ou trois données sur l'évolution de ce qu'on appelle parfois la biosphère, c'est-à-dire la biosphère, comme vous savez, c'est au fond l'environnement dans lequel nous vivons, c'est-à-dire c'est la planète et tout ce qui vit dessus. Et ici, cette carte, je ne sais pas si certains d'entre vous sont familiers avec ce genre de carte, c'est une carte sur laquelle la surface des pays est proportionnel non pas à leur surface géographique, mais à la population. Les grands pays d'Asie paraissent un peu obèses, et à l'inverse, ceux d'Amérique sont un peu plus maigres que sur les cartes géographiques. Donc ça donne une idée finalement de la pression des populations humaines sur l'environnement dans les différentes régions du monde. Deuxième info sur cette carte, ce sont les points blancs qui sont sur les différents continents. Et ces points blancs un peu lumineux, ce sont en fait les grandes agglomérations urbaines riches dans lesquelles la consommation d'énergie est très, très importante. Ce sont les concentrations humaines riches. On voit qu'elles sont presque toutes dans l'hémisphère nord, presque toutes dans l'Europe et l'Amérique du Nord, quelques-unes dans les grandes métropoles des pays émergents. Et la troisième information sur cette carte qui est intéressante, ce sont les lignes blanches qui sont sur les mers et les océans et qui représentent en fait les routes du commerce maritime. Et ces routes du commerce maritime, plus elles sont blanches et plus la densité du trafic commercial est importante. Et donc vous voyez que la plus dense de toutes les routes, c'est celle qui longe l'Asie du Sud et du Sud-Est, qui remonte dans l'océan Indien vers l'Arabie, le golfe Persique, le canal de Suez, la Méditerranée et l'Europe. Mais il y a évidemment aussi d'autres routes qui sont très fréquentées. Alors pourquoi tout ça? Parce qu'évidemment, ça aussi, ça donne une idée de l'intensité à la fois des échanges internationaux, mais aussi consommations de carburant qui sont nécessaires pour ces échanges, etc. etc. Donc ça donne une idée un peu de la pression que nos activités exercent sur la biosphère, justement. Et on a ici un terme que vous connaissez peut-être, qui a été proposé par les géologues pour qualifier cette période dans laquelle nous sommes et dans laquelle nous sommes entrés au moment de la révolution industrielle, à peu près. Et cette période, ce terme, c'est anthropocène. Anthropocène, vous savez sans doute que la désinence scène, c'est la désinence qu'on utilise pour qualifier les aires géologiques, le Pliocène, le Miocène, etc., etc. Et le mot anthropocène désigne finalement cette nouvelle ère géologique dans laquelle nous sommes maintenant et qui est caractérisée par l'influence des hommes sur l'environnement global de la planète. Et au fond, c'est un peu ça le leitmotiv. Alors, cet environnement, cette influence des hommes sur l'environnement global de la planète, Elle a commencé, au moment de la révolution industrielle et elle a plusieurs conséquences. Je voulais juste, pour illustrer ça avec une ou deux données, vous montrer ce graphique
sur lequel on a tout simplement recensé pour l'Europe, hein, donc il s'agit de l'Europe, le nombre d'événements, ce qu'on appelle des événements climatiques extrêmes par décennie. Donc dans les années 80, les années 90 et la première décennie de ce siècle. Et vous voyez que vous avez les différentes, les sécheresses, les températures extrêmes, les tempêtes et les inondations. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le nombre d'événements climatiques extrêmes en Europe ne cesse d'augmenter de décennie en décennie. Quand on aura les données pour la décennie 2010, elle sera encore plus, ce sera encore plus important que pour la décennie 2000. Et ce sont surtout en fait les inondations et les tempêtes, et dans une moindre mesure les températures extrêmes, qui sont de plus en plus nombreuses. Autre aspect que je voulais souligner pour l'Europe, parce que ce dérèglement climatique est évidemment une des conséquences importantes de ces évolutions que j'évoquais et de l'Anthropocène, ici vous avez deux cartes qui vous donnent les projections que les climatologues font pour les précipitations en Europe à l'horizon 2070 à peu près. Et par rapport aux quantités de précipitations qu'on a actuellement. Donc toutes les zones qui sont en bleu, ce sont des zones dans lesquelles il pleuvra plus qu'actuellement. Et toutes les zones qui sont en blanc, ce sera à peu près comme actuellement. Et les zones qui sont en jaune et en rouge, ce sera plus qu'actuellement. Alors la carte qui est toute bleue là, c'est la carte qui vous donne la moyenne annuelle. Pardon ? Moins de précipitations, pardon, pour les rouges. Rouge et jaune, c'est moins. Bleu, c'est plus, et blanc, c'est pareil. OK. Donc, excusez-moi. La carte qui est tout en bleu, là, c'est la moyenne annuelle. Donc, on pourrait se dire, après tout, la quantité de précipitations qu'il va y avoir, par exemple, sur la France en moyenne annuelle, ne va pas être très différente en 2070 de ce qu'elle est aujourd'hui, hein, puisque c'est blanc pour la France, pour l'essentiel. Maintenant, si vous regardez l'autre carte qui est à côté, elle vous donne la moyenne des précipitations pendant l'été. C'est-à-dire, c'est juste pour vous montrer combien les moyennes peuvent être trompeuses. Quand on vous dit le réchauffement climatique, ça va être une augmentation de 2 degrés en moyenne par rapport à la période pré-industrielle, vous pouvez vous dire, oh, 2 degrés, ben, qu'est-ce que c'est ? Pas grand-chose. Oui, mais en moyenne. Et là, sur la carte que vous avez ici, vous avez les précipitations en été. Et là, on voit qu'en fait, la moitié de la France va avoir des précipitations en été qui vont être entre 30 et 40% inférieures à ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en moyenne, on en aura autant, mais en été, 30 ou 40% de moins, ce qui veut dire en hiver, 30 ou 40% de plus. Ce qui veut dire que les précipitations vont être beaucoup plus violentes, beaucoup plus brutales, et les périodes de sécheresse beaucoup plus longues et beaucoup plus fortes. Donc voilà un peu le genre de choses. Alors, venons-en au raisonnement économique, puisque après tout, je suis un économiste et je ne vais pas non plus passer trop de temps sur les aspects physiques qui ne sont pas mon domaine. La question, ce que je voudrais aborder avec vous maintenant, c'est au fond, comment faire du coup pour infléchir, voire inverser un certain nombre de tendances, et par exemple la tendance à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre que l'on observe et qui est à l'origine de ces dérèglements climatiques. Et là, je vais commencer par quelques enseignements de l'histoire économique, parce que je pense que ces enseignements sont quand même assez éclairants et assez riches. Le premier aspect de l'histoire économique sur lequel je voudrais dire un mot, c'est ce qu'on appelle parfois, ce qu'un auteur américain, Jared Diamond, a appelé les effondrements. C'est-à-dire, regardez un certain nombre d'exemples dans lesquels des civilisations apparemment très florissantes ont disparu. Et généralement, ont disparu de manière assez brutale. Dans son livre Effondrement, Diamond parle d'un certain nombre d'exemples. Il donne par exemple le cas de la civilisation de l'île de Pâques, dont on ne sait pas exactement comment elle a disparu, mais dont on sait qu'en l'espace de quelques décennies,
elle a complètement disparu alors que c'était une civilisation extrêmement développée, extrêmement brillante, etc., etc. De la même façon, il donne un autre exemple que je trouve aussi très éclairant, qui est le cas des colonies vikings qui se sont implantées un peu partout dans l'hémisphère nord au 8e et 9e siècle de notre ère. Les vikings, comme vous le savez, ont beaucoup essaimé en dehors de la Scandinavie. Ils ont créé des colonies dans le nord de l'Écosse, en Islande, mais aussi en Normandie, bien sûr, et puis un peu partout ailleurs. Et ils avaient aussi créé une colonie au Labrador et une colonie au Groenland. La colonie du Labrador n'a pas duré très longtemps parce qu'en fait, il y avait déjà des habitants qui les ont chassés, massacrés, etc. Donc, voilà. Au Groenland, en revanche, cette colonie a duré à peu près 5 siècles. Elle a été assez prospère. Il y a eu pas mal de gens qui ont vécu là pendant 5 siècles. Et puis, brutalement, entre le XIIIe et le XIVe siècle, cette colonie a complètement disparu, elle a périclité. Et on n'a pas d'explication très claire de pourquoi. Et ce que nous montre Diamond dans ce livre, c'est qu'à chaque fois, dans tous ces exemples, il en donne beaucoup d'autres, le problème, c'est un problème de conflit entre le mode de vie que cette civilisation s'était créée ou qu'elle avait importé de son pays d'origine et l'environnement dans lequel cette civilisation se développe. Hein. C'est-à-dire une espèce d'incompatibilité. Dans le cas des Vikings, par exemple, du Groenland, ce qu'on voit bien, quand on regarde un peu les restes, etc., etc., ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont épuisé l'environnement dans lequel ils étaient parce qu'ils ont cru que le Groenland, c'était comme la Scandinavie. Or, non. Et ce qu'ils ont voulu faire, en fait, c'est transposer au Groenland les modes de vie qui étaient les leurs en Scandinavie, et notamment l'élevage bovin et la consommation de viande bovine. Ils n'ont pas voulu se mettre à la viande de morse, en gros, si vous voulez. Bon, et alors pourquoi c'est important? Parce qu'au Groenland, si vous voulez, quand vous regardez un peu clairement, un peu en détail le climat, et la végétation, etc., vous vous rendez compte que ce n'est pas possible d'élever des bovins au Groenland, quoi. Et que donc, en quelques siècles, tout ça a périclité. On voit d'ailleurs que les ossements des derniers bovins élevés par les Vikings au Groenland trahissent des bovins minuscules. C'est-à-dire qu'en fait, les bovins, ils avaient carrément rapetissé tellement l'environnement était hostile, finalement. Hein. Donc, ils avaient dégénéré, si vous voulez. Bon. Donc, tous ces exemples-là nous suggèrent que ça peut arriver hein, à des échelles, pour l'instant, on va dire limité dans la géographie, mais quand même, ça peut arriver. Deuxième aspect de la révolution de l'histoire économique, c'est la révolution industrielle. Et là-dessus, évidemment, c'est assez important, puisque, comme je l'ai dit, c'est le début de l'Anthropocène. C'est le moment où on commence, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, à utiliser des énergies fossiles. Toute l'histoire de l'humanité, c'est une longue histoire que parfois je caractérise en disant c'est l'histoire, si on prend l'injonction biblique, vous savez, quand Dieu chasse Adam et Ève du paradis terrestre, il leur dit, il dit à Adam, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Et au fond, on pourrait dire toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire dans laquelle les humains ont essayé d'épargner la sueur de leur front, en essayant d'utiliser des énergies pour remplacer leur propre énergie ou pour améliorer le confort dans lequel ils vivaient. Et pendant des millénaires, on a utilisé des énergies renouvelables. À partir du XVIIIe siècle, on se met à utiliser pour la première fois une énergie non renouvelable, des énergies fossiles, le charbon, puis le pétrole, puis le gaz, etc. Et ces énergies fossiles, elles ont deux caractéristiques en commun. La première, c'est qu'elles sont épuisables. La deuxième, c'est qu'elles sont toutes carbonées, c'est-à-dire que pour extraire l'énergie dans ces énergies fossiles, il faut les brûler et les transformer en oxyde ou dioxyde de carbone, entre autres. Et tout ça, on le sait, le carbone qui était dans la croûte terrestre, du coup, s'accumule dans la haute atmosphère sous forme de gaz carbonique. Et c'est ce qui produit le gaz à effet de serre. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond le point de départ de la révolution industrielle, ou plus précisément la question suivante. Pourquoi, à ce moment-là, a-t-on commencé à utiliser le charbon? Alors que là aussi, on savait depuis des millénaires qu'il existait du charbon et on le connaissait. On faisait depuis des siècles et des siècles du charbon de bois.
partout. Hein ? Pourquoi a-t-on commencé à utiliser le charbon ? Et pourquoi en Angleterre ? Et ça, c'est une question intéressante, parce que c'est une question d'économiste. Hein ? Vous pourriez me répondre, évidemment, on a commencé en Angleterre parce qu'il y avait du charbon en Angleterre. Ce à quoi je vous répondrais, oui, mais il y avait aussi du charbon en France, il y avait aussi du charbon en Chine, il y avait du charbon un peu partout dans le monde, en fait, un peu partout. Deuxième réponse possible, les Anglais étaient scientifiquement ou technologiquement plus avancés que les autres. La réponse est non, c'est faux. Les Français, les Chinois, etc. avaient à peu près le même niveau de développement technologique. Et d'ailleurs, les Français revendiquent souvent la paternité de la machine à vapeur. Vous savez, on dit que c'est Papin qui a inventé la machine à vapeur. Les Chinois avaient aussi d'ailleurs inventé une machine à vapeur à peu près en même temps. Donc, ce n'est pas ça non plus. Et donc, ce que suggère l'analyse économique, c'est quoi ? C'est qu'en fait, le facteur qui a joué, et vous allez voir que là, vous n'avez peut-être pas aimé ce que je vais vous dire, mais ce n'est pas grave. Je vais le dire quand même. Le facteur qui a joué, c'est quoi ? C'est au fond le prix. Et si on veut comprendre ça, il faut essayer de s'interroger sur au fond, qu'est-ce qui caractérise l'Angleterre et qui la distingue à cette époque-là des autres pays dont je viens de parler, la France, la Chine, etc., qui sont des grandes économies à cette époque-là. La Chine est pratiquement aussi développée que les pays d'Europe occidentale, etc. Qu'est-ce qui distingue l'Angleterre ? L'Angleterre, c'est une île, et c'est une île très peuplée à cette époque. C'est même, en termes de densité, l'une des régions les plus peuplées du monde à cette époque. Dans une île très peuplée, qu'est-ce qui est rare ? La terre. La terre, évidemment. Et donc, en Angleterre, à cette époque-là, comme la terre est rare, il n'y a plus de forêt. Il n'y a plus de forêt, donc le bois est cher. Comme le bois est cher, l'incitation à trouver un substitut au bois, dans au moins certains des usages du bois, est extrêmement forte. Et on voit bien d'ailleurs qu'en France, on a continué à faire du charbon de bois pendant encore des décennies après la révolution industrielle. Alors qu'en Angleterre, non. Pourquoi ? Parce que c'était trop cher le bois en Angleterre. Et du coup, ça valait la peine de faire l'effort d'essayer de trouver un substitut du bois. Le bois, comme vous le savez, jusqu'au XVIIIe siècle, ça sert à tout. Hein. Pas seulement comme source d'énergie, mais aussi comme matériau de construction. Ça sert à peu près à tout. Hein. Et donc, évidemment, on ne va pas immédiatement remplacer le bois dans tous ses usages, mais d'abord, on va remplacer le bois par du charbon pour produire de l'énergie, la vapeur, les machines à vapeur. Évidemment, le mec génial, c'est Watt. Hein, c'est le mec qui a transformé le mouvement horizontal en mouvement circulaire. Bon, ça, bien sûr, c'est fort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les innovations ne valent que si elles sont très largement adoptées. Et elles ne sont très largement adoptées parce que quand elles sont très largement adoptées, elles changent le mode de vie et les modes de production. Et en plus, leur prix, généralement, leur coût diminue. Parce que plus une innovation est largement adoptée, plus on a ce qu'on appelle les économies d'échelle, etc. etc. Et donc, dans le cas de la machine à vapeur et de la révolution industrielle, si vous voulez, on a un exemple typique dans lequel une différence de prix incite à adopter une innovation. Cette innovation, ensuite, va avoir des effets extrêmement vertueux d'entraînement dans tous les domaines, puisque grâce à la révolution industrielle, on va produire davantage, on va abaisser les coûts de production, on va abaisser notamment le coût de production de l'acier, etc., etc., grâce au charbon, et puis tout ce qui s'est passé depuis. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en route, du point de vue économique, avec cette adoption initiale. Donc, l'adoption des innovations, et c'est le message que je voulais faire passer là, va dépendre en fait de l'intérêt économique que l'on a à adopter ces innovations. Et ensuite, il va y avoir une espèce de cercle vertueux. Je vous donne juste un petit exemple pour vous convaincre de ça. Parce que, par exemple, vous pourriez penser, vous pourriez dire les voitures électriques, ça coûte trop cher, etc. Des trucs de ce genre. Au début du XXe siècle, les automobiles étaient des objets de luxe qui était réservé vraiment aux gens les plus fortunés, et que d'ailleurs, on était obligé d'avoir un mécanicien pour les conduire, etc., etc. Et en l'espace d'un siècle, c'est devenu vraiment l'objet
de consommation le plus répandu, je dirais, sur la planète, ou un des plus répandus. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a eu une espèce de cercle vertueux qui a fait que le prix est devenu accessible, etc. etc. Autre exemple, le téléphone portable. Juste une petite anecdote là-dessus. Il y a à peu près une trentaine d'années, Sony avait commandé une étude de marché à un grand cabinet international pour demander quel était le marché potentiel des téléphones portables. Et ce grand cabinet avait conclu il n'y a pas de marché. Pourquoi il n'y a pas de marché ? Parce qu'il y a 30 ans, les téléphones portables étaient horriblement chers. Et donc, évidemment, si les téléphones portables sont très très chers, c'est réservé à une toute petite élite, il n'y a pas de marché. Aujourd'hui, quand on voit le marché des téléphones portables dans le monde, on se dit, voilà, c'est le truc le plus répandu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce de cercle vertueux qui s'est mis en place, dans lequel les économies d'échelle ont permis de réduire tellement extraordinairement les coûts qu'aujourd'hui, même les gens qui sont dans les pays pauvres en Afrique peuvent acheter des téléphones portables. Donc ça, c'est vraiment un aspect important. Alors, venons-en justement aux instruments de prix, et c'est là où je vais peut-être rentrer dans des considérations un peu plus polémiques et qui vont sans doute susciter des débats, mais finalement, c'est un petit peu ça l'objectif aussi, hein, puisque vous savez que nous avons après un quart d'heure de questions, donc j'espère que vous en aurez. C'est comment faire pour faire que les prix aillent dans la bonne direction. Et c'est là qu'on les économistes disent, ben voilà, il y a deux instruments possibles. Soit on utilise le marché, soit on utilise les taxes. Pourquoi on est obligé d'utiliser quelque chose d'abord ? Eh bien parce qu'on sait que si on laisse le système évoluer par lui-même, généralement, les signaux de prix, sauf dans des rares cas comme celui de la révolution industrielle, ne vont pas se produire assez tôt. Et dans le cas du changement climatique, on sait, le rapport du GIEC le plus récent nous l'a encore montré, qu'il y a une certaine urgence à agir, à changer le mode de production, le mode de vie, etc. Et à sortir le plus vite possible des énergies carbonées de façon à réduire rapidement nos émissions. Alors, évidemment, d'autant plus que nous avons les technologies pour le faire et que dans le même temps, malheureusement, dans un certain nombre d'autres régions du monde, les émissions continuent à croître fortement. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles les pays européens ont été un peu en avance, on peut dire, dans ce registre pour essayer de trouver des solutions. Comment faire pour que les prix soient les bons pour inciter à passer des énergies carbonées à autre chose, à d'autres technologies, etc., et que ces technologies soient adoptées largement et qu'on enclenche ces cercles vertueux que j'évoquais? Il faut essayer de faire en sorte que le prix du carbone soit suffisamment élevé. Et ici, vous avez une carte qui vous montre finalement quels sont les pays qui, pour l'instant, ont des mécanismes qui permettent de donner un prix au carbone. Pourquoi un prix ? Pour la raison que j'ai donnée tout à l'heure à propos de la révolution industrielle, c'est-à-dire de dire qu'on a besoin de ce signal de prix pour inciter à l'adoption d'autres technologies. Et vous voyez qu'ici, c'est la situation en 2016. Donc, vous avez les petites bulles orange qui vous indiquent les taxes carbone. Et ce qui est en vert, ce sont les marchés du carbone. Et donc, l'idée, c'est que dans le cadre de l'Europe, on a créé, comme vous le savez, un marché du carbone. Et si on regarde quel est le... Ça, c'est le prix du carbone sur le marché du carbone. Et vous voyez qu'en fait... quand on a lancé le marché du carbone et jusqu'en 2009, le prix du carbone sur ce marché était à peu près à 30 euros la tonne. 30 euros la tonne, eh bien, on considère généralement qu'autour de 30 euros la tonne, le prix est suffisamment élevé pour dissuader des usages les plus coûteux du carbone et donc inciter les industriels, puisque c'était un marché pour les industriels, à se tourner vers des technologies qui n'utilisent pas d'énergie carbonée ou qui utilisent moins d'énergie carbonée et donc adopter des technologies plus favorables au changement climatique, à l'environnement, etc.
Malheureusement, comme vous le voyez, à partir de 2010, le prix du carbone s'est complètement effondré sur le marché du carbone. Il est tombé à moins de 10 euros la tonne. On a même été à un certain moment autour de 5 euros la tonne. Et là, eh bien, évidemment, ça ne sert à rien. Hein. C'est-à-dire, si vous mettez un prix trop bas, c'est comme si vous ne mettiez pas de prix. Hein. Et donc, on voit que finalement, on a perdu presque 10 ans. Hein. Presque 10 ans. En ne réglant pas les problèmes qu'il y avait sur ce marché, on n'a pas incité les industriels européens à aller assez vite, finalement, dans l'adoption des nouvelles technologies. Vous voyez qu'en revanche, depuis le début 2018, ça remonte, mais ça a rebaissé un peu là, récemment. Donc, bon, on espère que ça va marcher. Alors maintenant, si on regarde l'autre instrument, c'est-à-dire les taxes, bah, c'est là où... Je sais que je marche sur des œufs, hein, parce qu'évidemment, demain, il y a un rassemblement de gilets jaunes, hein, donc je suis la cible idéale. ce que je vais dire, c'est que ben, on en a besoin. Alors, comme vous le savez, la France, en fait, comme beaucoup d'autres pays, s'est doté de cet instrument, de taxes carbone, notamment sur les carburants, depuis le 1er janvier 2014, en fait. Mais cette taxe carbone qu'on a introduite en 2014 sur les carburants en France, d'abord, on l'a introduite subrepticement, il n'y a pas eu de débat, etc., donc personne ne s'en est aperçu, ce qui n'était pas un modèle de transparence démocratique, mais ça, c'est une autre histoire. Mais surtout, les gouvernements de l'époque ont eu la chance que ça coïncide avec une baisse des prix du pétrole sur le marché mondial, de sorte que personne ne s'en est aperçu, les prix ont en fait baissé à la pompe, alors que les taxes commençaient à augmenter petit à petit. Et puis, il y a une trajectoire qui a été fixée pour cette taxe carbone, qui est actuellement, elle a été introduite à 14 euros la tonne, elle est maintenant à 44 euros la tonne, elle va augmenter chaque 1er janvier jusqu'à 2025 pour atteindre 100 euros la tonne en 2025. C'est ça la trajectoire qui a été votée en 2014. Hein, c'est pas... voilà. Mais il se trouve que, comme vous le savez, les prix du pétrole sur le marché mondial depuis plusieurs mois ont fortement augmenté, de sorte que maintenant, c'est la combinaison des deux qu'on observe à la pompe. Et c'est pour ça, évidemment, que ça coince tout d'un coup. Hein, parce que, du coup, le prix à la pompe augmente. Alors ici, vous avez, sur ce graphique, le prix... du carbone qui est les taxes carbone qui sont pratiquées dans les différents pays. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de pays, il y a un zoom là, ce qui est à droite ici, c'est en fait le zoom de ce qui est en bas, parce que le bas est très tassé évidemment, donc on a zoomé. Et donc vous voyez que pour l'instant, la France est quand même plutôt en dessous d'un certain nombre d'autres pays. Mais surtout, vous voyez que tout en haut, il y a un certain nombre de pays, notamment la Suède, hein, qui est tout en haut, là-haut, avec une taxe carbone à 131 euros la tonne, alors qu'en France, c'est 44. Donc, vous voyez, on est à peu près un tiers de la Suède. Et là, ce que je voulais dire simplement, c'est que la Suède est aujourd'hui un pays extraordinairement prospère, plus prospère certainement que la France. Et donc, le message que je voulais faire passer là-dessus, c'est... voilà, c'est pas... la question, c'est pas... est-ce qu'on taxe ou est-ce qu'on taxe pas le carbone? La question, c'est est-ce qu'on le taxe suffisamment pour que ça incite à adopter des technologies alternatives et moins émettrices? Et puis, évidemment, la question, c'est aussi donc c'est l'incitation. Encore une fois, les taxes, et là, il faut être tout à fait clair là-dessus, j'ai plus que deux minutes, donc je me dépêche. Les taxes sur le carburant, etc., c'est pas... même si ça peut paraître... c'est comme les taxes sur le tabac. Vous savez, il y a toujours des gens qui vous disent « Ouais, mais taxer le tabac, c'est surtout parce que ça rapporte au gouvernement. » Alors, incidemment, oui. Mais en fait, l'objectif, c'est en fait surtout de dissuader les gens de fumer. Et ça marche, contrairement à ce qu'on dit. Il y a 1 million de fumeurs en moins en France depuis qu'on a augmenté le prix du paquet de cigarettes là, au cours des deux dernières années. C'est-à-dire, c'est pas rien quand même. Donc, sur l'essence, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Évidemment, on a le sentiment que le gouvernement augmente les taxes sur les carburants pour se procurer des recettes fiscales. Et on dit, ouais, les automobilistes sont les vaches à lait de l'État, etc. Bon, ça, c'est le truc habituel. Ce qui n'est pas tout à fait faux non plus. Mais, en fait, l'objectif premier, c'est encore une fois modifier les incitations
pour inciter les gens à faire des économies. Et c'est pour ça d'ailleurs que le gouvernement dit bah, je vais rendre une partie de l'argent sous forme de primes à la conversion, sous forme de chèques énergie, sous forme de choses comme ça. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser quand on voit les choses superficiellement, prélever d'une main et rendre de l'autre, ce n'est pas la même chose que de ne pas taxer. Pourquoi ? Parce que ce que le gouvernement va vous rendre, il va vous le rendre sous forme de chèques énergie ou des choses comme ça, c'est forfaitaire. L'incitation à économiser le carburant, elle va rester malgré tout. C'est-à-dire, on va vous dire, je vous rends 50 euros par mois ou je ne sais pas quoi, mais le prix du carburant, comme il est élevé, si vous en consommez un litre de moins, bah, vous allez quand même faire l'économie de ce litre de carburant. Et c'est pour ça que ce qui est important, c'est l'incitation. Et puis, dernière chose, évidemment, pour que ça marche, il faut que quand même une bonne partie de ce qui a été prélevé soit utilisée pour aider à la transition, c'est-à-dire aider à l'adoption des nouvelles technologies. Et là-dessus, évidemment, on est un tout petit peu à la traîne. Et je termine en disant deux choses. Première chose, est-ce qu'on peut découpler la croissance économique et l'emploi de la consommation d'énergie, parce que c'est ça la grande question. Est-ce qu'on peut continuer à être prospère ou pas? Et ce que suggère quand même l'expérience de l'Europe depuis une vingtaine d'années, c'est oui, hein, parce que l'Europe émet de moins en moins de gaz à effet de serre quand même globalement. Et on a quand même continué à être prospère. Bon, donc ça veut dire que c'est possible, et donc il faut être optimiste. Dernière chose, est-ce qu'il y a des coûts, etc. Certainement, mais en même temps, ce que montrent les analyses économiques, c'est qu'on peut utiliser les recettes, par exemple, des taxes sur le carburant, pour réduire d'autres prélèvements, par exemple les prélèvements sur le travail. Et que dans ce cas-là, on aurait ce qu'on appelle un double dividende, c'est-à-dire à la fois moins d'émissions polluantes et plus d'emplois, hein, puisqu'on réduit le coût de la main-d'œuvre et on augmente le coût des énergies polluantes. Je m'arrête là. Voilà, merci. Je pense qu'il y a du temps pour les...